de France, mais des centaines, des milliers, voire... Et voilà, coup d'envoi donné par Bernard Lacombe. On prétendue qu'elle se réserve et qu'en tout cas, elle examine. Elle... Et c'était une passe, une tentative de passe dans le dos de Marius Trésor, mais Marius était bien placé sur ce ballon avec un premier long ballon de... Oh, ne l'a pas vu. Les Français se dégagent de Jean Castaneda, il y avait Bossis qui était là aussi. Oui, un centre. Bossis, Lacombe, Platini, Bossis. Ils n'arrivent pas à déployer leur jeu, les Français. Bossis, Platini. Platini. Ce sont eux qui l'impriment, ce sont eux, malgré la domination territoriale des Français, qui maîtrisent le jeu pour le moment. Platini dans le rond central. Jean Vion. Platini. Jean Vion. Platini. Dans les 16 mètres. Platini, Peter, et une faute. Vous allez voir, voilà, et Gingini a frappé. Une combinaison. Pour l'instant, donc, deux bons coups francs. Mais vous voyez, Thierry, comme les Français ont quand même beaucoup de mal à récupérer le ballon. Platini. Ah oui, une faute de Platini. Oui. Platini. Platini. Jean Vion. Platini. Boss. Platini. Lopez. Bien anticipé la tête de Christian Lopez. Michel Platini. Giresse. Platini, écart, Platini. Voilà une bonne balle de contre. Platini. Sommes dominés dans le jeu de tête. Hop. Voilà, elle tombe dans les pieds de Platini. Première feinte de frappe, crochet extérieur et de l'intérieur du pied. Et Van Breukelen. Lopez. Platini. Il reste 3 minutes avant la fin de cette première mi-temps. Platini, Rocheteau, Platini, Platini. Oh là là, on se bouscule beaucoup dans les 16 mètres. Giresse. Peut-être qu'après cette action, on reverra un ralenti. Centre de Bossis. Bossis, Bernard Lacombe. Faute, ah non, là, il y a faute, là, monsieur l'arbitre. Ah oui, tir de Didier. Écoutez, je ne vais pas rappeler de mauvais souvenirs aux Français. On va d'abord voir cette action de Platini. Que les Français remontent ce ballon. Jean Vion, puis Platini. Monsieur Garrido, qui tous les amateurs de football s'en souviennent, était l'arbitre. Jean Vion, Platini, Rocheteau, Platini, Platini. Platini, sur le mur, dans le mur. Allez Michel, voilà, oui Michel. Oui Michel, et le voilà, un coup. Oui, on efface tout et on recommence, c'est une lucarne de Michel Platini. Sur le petit Peters. Il faut dire qu'il a eu mal, je crois même que c'est le bas-vent. Joli coup de tête de Muren qui écarte le danger. Pas pour longtemps, car la balle est toujours pour Jean Vion, qui démarre fort bien cette deuxième mi-temps. Platini. Platini. Marius Trésor, oui, de Jean Castaneda. Ils sont supérieurs dans ce domaine avec Van Kooten. Car 1-0, c'est évidemment un avantage énorme actuellement, mais il faut qu'ils continuent, les Français, à jouer leur jeu comme ils l'ont fait jusque depuis le début de cette deuxième mi-temps. Michel Platini dans ses œuvres.
Lopez. Platini. Non. Bernard Lacombe. Ah, ça va être juste. Platini. Attention à Six. Bernard Lacombe. Ah oh là là là, c'est pas vrai. Une talonnade qui était merveilleuse, mais pas assez forte pour que Didier Six puisse l'utiliser. Oh, le risque de ne pas l'avoir une autre comme ça avant à deux. Platini. Oh non, monsieur l'arbitre. Ah non. Peter. Alors, Peter. Platini, bien. Et Platini, bon défenseur. C'est aussi taclé. Oui, oui. Il l'a prouvé du reste. On ne le siffle plus tellement maintenant. Montée de route crawl, attaqué par l'autre capitaine, Michel Platini. C'est le moment d'être Rep. Lucide. Rep qui passe, non, qui ne passe pas, car son partenaire de Saint-Etienne, Vion, Platini, vrai maître de lui. Aïe, aïe, aïe. Oh, très précis. Platini, oulala.